Allez, viens. Allez, viens. Viens, viens, viens. Viens, viens. Aïe, mais tu me fais mal. Ah bah oui, en effet, t'as vu la taille de tes griffes. Bah alors, faut prendre un peu soin de toi, ma vieille. Dis, tu ne me réponds pas, je ne veux rien savoir. Tu prends rendez-vous avec la manicure tout de suite. Allez, zou. Allô? Oui, bonjour, c'est le salon de toilettage? Oui. Ouais, c'est pour mes griffes, elles sont trop longues, taille. Oui. Y a moyen de moyenner? Ok, t'as le tool. Aujourd'hui, je teste pour vous, avec Papaye, le salon de toilettage. Salut Francesca. Bonjour. Vas-y, mets-la ici. Ben, je te présente Papaye. Et comme tu peux le voir, il y a un peu de laisser-aller au niveau des griffes. Ah oui. Elle me fait mal quand elle me saute dessus. D'accord, bah écoute, on va s'en occuper, viens, suis-moi. Okay. Allez, c'est parti. Alors, c'est là que ça se passe? Exactement. Au niveau des griffes, normalement, le chien est censé pouvoir les user naturellement lors de balades. Mais bon, souvent, ça n'arrive pas et donc, il faut les entretenir régulièrement. Au niveau de la coupe, tu vois une veine ici. Oui, c'est pour ça que j'ose pas le faire moi-même. Et il faut bien voir l'extrémité de la veine de façon à couper avant. D'accord. Pour ne pas faire saigner le chien, parce que ça peut lui faire mal. Ouais, et c'est parti. Donc en général, on essaie d'enchaîner assez vite. Tu vois là, par exemple, tu as une griffe noire. Ouais. Tu regardes un peu par rapport à la forme de la griffe et tu vois ici que tu as une espèce d'intersection. Là, je prends plus de marge et ouais, je coupe qu'à l'intersection. Et ça suffit largement, ouais, puisque quand tu poses la patte, tu vois, ça effleure seulement le sol. Mmh. L'essentiel, c'est que ça ne vienne pas déborder. Et donc, toi, tu as mis en place un système un peu particulier pour cette prestation-là, la taille des griffes. Tout à fait. En fait, quand un client vient me voir uniquement pour la coupe de griffes, mm-hmm, donc je demande à la personne de m'appeler au préalable pour savoir quand est-ce que j'aurai une disponibilité. Comme ça ne me prend pas beaucoup de temps, j'ai décidé en fait de ne pas mettre un tarif particulier pour D'accord. cette prestation-là, de juste demander une participation au client, mm-hmm, alors que ce soit par du numéraire, soit par des croquettes ou une boîte pour chien, pour chat ou autre. D'accord. Et ce que je fais ensuite, à titre personnel, si j'ai du numéraire, je vais acheter des croquettes, mm-hmm, et soit je les dépose à la banque, soit je donne à des associations de ah, façon à pouvoir aider la cause animale, parce que c'est vraiment le but. Et voilà, t'es toute belle ma papaye. Voilà. Pourquoi les gens viennent te voir en général? Qu'est-ce que tu proposes d'autre ici? Alors, au niveau de différentes prestations, on a beaucoup de chiens comme des bichons, les petits chiens à mmh, poils longs. Et donc là, on fait de la tonte, de la coupe ciseaux. D'accord. Et puis, bah, dans le forfait, il y a le bain. Il y a un soin également qui est fait pour le poil et pour la peau. Ah bon? Exactement. Comme dans un vrai salon d'esthétique. Exactement, c'est ça. Et puis, bah, le nettoyage des oreilles, le nettoyage des yeux. Et pour les bichons, on a tendance à refaire ce qu'on appelle une petite casquette. La casquette. Et couper au niveau des yeux. D'accord. Bah, également la griffe. Et si besoin, en fonction, certains chiens ne vident pas leur glande anale. C'est what? Ah. Oui, ce sont des glandes qui se trouvent en fait sous le trou d'anal. J'allais le dire autrement. Sous l'orifice anal. Voilà, et du coup, ben, on a tendance à le vider parce que certains chiens peuvent faire des infections. Ah, oui. Donc ça, c'est surtout à la demande parce D'accord. que ceux qui le vident naturellement... J'évite d'intervenir. Tu t'occupes de toutes sortes d'animaux? Parce que là, aujourd'hui, c'est un chien. Mais Aujourd'hui, c'est un chien. Je fais beaucoup les chats mmh, également. Et puis là, j'ai prochainement un lapin. Oh, super. Donc voilà. T'es contente, papaye? Ça y est, tu as plus glissé et tu as plus me faire mal surtout. Eh bien, merci beaucoup, Francesca. Ben, écoute, avec grand plaisir. Voilà ma contribution. Ben, c'est parfait. Nickel. Il y aura des chiens qui seront heureux. Ah, c'est ben, l'essentiel. En tout cas, il y en a une qui est bien contente. Allez, salut, papaye. Bon, ben voilà, papaye. T'es toute belle maintenant. T'as coupé les griffes. Francesca s'est bien occupée de toi. Et puis, c'est surtout une belle initiative de sa part puisqu'on fait une bonne action en même temps qu'on prend soin de son animal. Donc, si vous aussi, vous êtes intéressé pour faire couper les griffes de votre animal ou bien un autre service de prestation de ce salon, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de Francesca où vous retrouverez toutes les infos. Allez, tatoule. Oh oui, ma belle. Allez, on rentre à la maison.